Préparez-vous à l'impact. Message de Yahushua à son prophète Byron Searle. 29 mai 2020. Matthieu chapitre 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Après avoir passé du temps à prier ce soir, le Seigneur a commencé à me parler d'abord en me posant les questions suivantes. Il m'a d'abord demandé : Qu'est-ce que le pilote de l'avion crie quand ils sont sur le point de s'écraser ? Quoi ? Ai-je demandé ? Il a répondu : Préparez-vous à l'impact. Il m'a alors demandé : Qu'est-ce que le capitaine du navire crie lorsque le navire est sur une trajectoire de collision ? Quoi ? Ai-je demandé. Il a répondu : Préparez-vous à l'impact. À nouveau, il m'a demandé : Qu'est-ce que l'observateur crie au pilote de la voiture de course quand il est sur le point d'entrer en collision avec un accident présent sur la piste ? Quoi ? Ai-je demandé. Encore une fois, il a répondu : Préparez-vous à l'impact. J'ai répondu oui. Il a répété : Préparez-vous à l'impact. J'ai alors demandé au Seigneur si c'était le titre de ce message et il a répondu oui et m'a dit ce qui suit. Mon fils, tout comme celui qui contrôle le véhicule et qui voit qu'une collision est sur le point de se produire crie aux personnes à bord : Préparez-vous à l'impact. Moi aussi, je suis le capitaine et je crie à mes enfants : Préparez-vous aux impacts. Je dis impact au pluriel parce qu'il y en aura beaucoup. Certains commencent à frapper maintenant. L'un des impacts sera les émeutes et la guerre civile qui feront basculer cette nation et le monde. Au fur et à mesure que l'amour sera anéanti, la haine abondera et ce monde se refroidira. Un autre impact s'abattra sur les sociétés du monde, puisqu'elle considère les sodomites comme normaux. Même lorsque mon peuple élu adorait d'autres dieux que moi, je ne les ai pas complètement détruits. J'ai détruit les villes de la plaine pour leur méchanceté et leur désir sodomitique. Je détruirai ces nations dont les lois embrassent les sodomites. Un autre impact à l'horizon, ce sont les étoiles qui tombent du ciel. Ces impacts causeront une grande peur et la mort à grande échelle. Beaucoup ne sauront même pas ce qui les a frappés avant qu'ils se tiennent devant moi. Un autre impact sera tous les tremblements de terre qui secoueront subitement et sans prévenir. Je dis maintenant : Préparez-vous à l'impact, car les ondes de choc les mettront tous à genoux. Mon fils, je veux dire aussi que durant ce temps d'impact, mon esprit impactera des vies tout autour du globe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je couvrirai la terre de mon esprit et ramènerai ceux qui étaient spirituellement morts à la vie. Je dis : Repentez-vous maintenant, car bientôt vous vous accrocherez pour résister à l'impact. Et vous ne pourrez plus vous repentir. Pendant ce temps de ténèbres, la peur sera généralisée, et ceux qui ne marchent pas par la foi ne pourront y résister. L'économie mondiale est un autre impact. La plupart des gens, y compris mes enfants, pensent que tout va bien. Je dis : Préparez-vous à l'impact. Le bateau économique a heurté le rocher et coule rapidement. Mes enfants demandent : Que pouvons-nous faire ? Comment allons-nous survivre ? Je dis : Marchez par la foi. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension et suivez-moi. Mes enfants d'aujourd'hui marchent par la vue, non par la foi. Mais bientôt cet impact affectera le monde entier. Préparez-vous à l'impact. Le sang coulera dans les rues de nombreuses villes. Europe, Amérique, Asie, Amérique du Sud. Préparez-vous, car votre foi va être testée.
Les villes vont s'enflammer et exploser comme des bombes infernales. Les gens brûleront tout parce qu'ils sont nourris par celui qui passera l'éternité dans le feu. Mon fils, préparez-vous à l'impact, car je viens vers mon reste et je les transformerai en êtres de lumière nouveaux. Je les rendrai plus lumineux que les épaisses ténèbres qui couvriront le monde. Tout le monde saura qu'ils sont mon reste. Je vous aime, mes enfants. Je viens bientôt. Préparez-vous à l'impact maintenant. Amen. Paroles qui m'ont été données par le Seigneur Yahushua.